Bonjour peuple, bienvenue sur Rocknar Live. Merci pour le soutien qu'il y a sur les vidéos Subnautica, ça fait trop plaisir. Demain à 16h, demain mercredi 15 avril, on commence Subnautica Below Zero sur twitch.tv/rocknar à 16h. Venez nombreux et abonnez-vous à Rocknar Live. Bonne vidéo. J'ai marqué des goals sur un papier. Les objectifs aujourd'hui, ce sera de faire une nouvelle base, quatrième base, faire les améliorations du prone, aller explorer les profondeurs, faire le machin lunaire. Voilà. Le Cyclops V2, Leviathan. Avant de lancer le stream, j'en ai profité pour lancer, faire un petit récap sur ce que j'avais personnellement. Et pour trier un peu les coffres, 5000 points, c'est quand même 10 heures de stream, hein. En étant sub. Ah oui, ça peut pas... Ah ouais, merde, je suis con, le Simos, ça peut pas aller si profond pour l'instant. Oh merde, merde, merde. Vite. Vite, 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 vite. Oh sa mère, il a 1%. Oh, je l'ai ruiné. Non, 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 non. Non, stop, stop, stop. Non, bah là... Je suis un troll, c'est pas possible. Oh, je l'ai sauvé. Je suis jamais allé là par contre. Ça a l'air profond ici. J'ai peur parce que je connais pas. Et quand je connais pas, il risque d'y avoir des mobs qui me sautent dessus. Oh. Oh non! Oh non! Oh non! Des... Ah! Des araignées! J'ai entendu un bruit. Oh, j'irai jamais là-bas, je vous le dis. Ok, j'y vais, mais quand j'ai l'armure. Sans armure, non. Mais vraiment, sur les vidéos, c'est 15 minutes, mais c'est des bails de 5 heures de live. Hein. Prone V2. Et qu'on l'a cherché, là. Et voilà. Voilà, j'ai toutes les coordonnées où on va aller. On se perd pas, comme ça, on passe pas notre temps à rien foutre. Comme ça, on a un objectif. Je l'ai déjà faite, mais peut-être que j'ai zappé des trucs. Là, il y a un truc étrange, là. Oh! 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 Laissez-moi le prendre! Je veux le prendre! Et là... Allez, dis-moi que c'est ça. Amélioration de véhicule. Ah non, c'est pas ça. Mec, là, mec. Oh. Faut faire gaffe à l'oxygène. Oh, là, là. Là, là. Yes! Oui! Vous savez pas combien de temps j'ai joué. Il fallait juste une recherche Google, quoi. Je suis vraiment heureux. On va pouvoir forer des gros trucs, là. J'adore les gros trucs comme ça. On peut faire ça. C'est le bon sens. Ah! Putain, stylé. Ah, stylé. Oh, oh. Mais il y a plein de trucs, en fait. Chargeur solaire, c'est cool. Système de défense. La profondeur du nickel. Ça, j'ai jamais vu encore, nickel. Réacteur thermique. Recharge des batteries dans les zones chaudes. Polyaniline, pareil. Distène, on n'a jamais vu. Améliorateur du propulseur. Puissant réacteur monté à l'arrière qui propulse la combinaison prone dans les airs. Ça, c'est bien. C'est pour voler plus haut, plus vite. Bah, tout est bien, en fait. Le grappin, c'est important. Mais le benzène, je sais pas le trouver. Et du coup, pour l'instant, je peux juste faire le bras de fourrage. 5 titanes, 1 lithium, 4 diamants. Tout est dans le bigot. Voilà, le bras de fourrage. Putain, yes, j'ai trop envie de l'essayer maintenant. Ouais, je peux modifier la couleur en plus. Un rouge bien rougé. Franchement, je vais mettre des couleurs bien, bien extravagantes comme ça. On peut le voir de loin. Dans l'océan, si je le mets bleu, c'est pas ouf. Jaune, rouge, c'est bien jaune, rouge. Et je vais l'appeler... Abdoulaye. Abdoulaye. Putain, trop cool. C'est quoi ce Roblox? Un ban pour Mirador, s'il vous plaît, les modos, faites votre travail, merde, là. Là, ce serait bien d'aller taper un petit farm avec la foreuse et de créer une nouvelle base. Oh. Attends, mais il y en a combien? C'est illimité? Non. 10. Non, mais c'est incroyable, j'en ai déjà eu 7. Oh, c'est énorme. C'est ce step-up de fou, là. C'est trop bien. Ça fait plus que 10 en plus, en fait. C'est 11 là. Mais c'est putain de énorme. Super ça, parce qu'il nous en manquait vraiment plein. Donc ça, c'est super. Mais casse-toi un moment. Bien, je vais te forer ta mère. Je te fore ta mère. Fore ta mère. Quelqu'un peut lui inscrire au RSA, lui. Il me saoule depuis tout à l'heure. Là, ça va vraiment me faire avancer dans le jeu. Hein. Bon, alors, let's go. Oula. Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment énorme. C'est long. Voilà. Oulala. Papa. L'océan en sueur. L'océan qui transpire fort, là. Oh, oh les enculés. Wow, 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 je les aime pas, eux.
Eux ils me téléportent, je les aime pas. Je suis trop sur mes gardes aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, les gars? C'est méchant? Là, 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 là. C'est nouveau, je crois. C'est gentil. Non, vous mentez. Attends, il y en a plusieurs. Ça a pas l'air méchant. C'est inoffensif. Oh, trop bien, trop bien. Oh! Yes, un truc pour le Cyclops. Tu casses les couilles à crier. Eh, hey, me casse pas les couilles. Si j'ai peur et que je crie, et que je dois crier, mon corps il me dit de crier, je crie. Gros, casse pas les couilles en fait. Il est fou lui. Bien sûr que je crie. Il me fait sursauter comme ça, je dois sourire. Ah, yes. Bon bah, la centrale thermique. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est fait. Waouh, il m'observe juste. Ah ouais, vous êtes sûr. J'ai l'impression qu'il m'a lancé un truc là quand même. La cam. Ok, bah je vais... TP moi s'il te plaît frère. Oh c'est un... C'est le frérot hein. Vraiment c'est le frérot, y a rien à dire. Une créature agressive capable de téléporter les autres ainsi que lui-même. Putain, chaque fois hein. Chaque fois ça me fait flipper. Quoi? Oh! Mais arrêtez! Oui, un nouveau truc, un nouveau truc. Vous voyez? Oh là là, du nickel. Par contre, je pense pas que je puisse aller là-dedans, non? Bon, sinon, je peux save, hein, en vrai. Je pense dans... Ouais, vas-y, go save. Go save, hop. Et on va voir. Oh yes. Oh je veux ça. Oh là là, quelle aventure putain, je kiffe. Mais pourquoi il crie comme un enfant de 12 ans lui aussi là? Oi 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 oi. On est où là? Oh. Le squelette d'un carnivore blindé. Attends mais pourquoi il y a des trucs en anglais, des trucs en français? Enfin bref. D'un carnivore blindé datant d'un million d'années. Les projections suggèrent que cette forme de vie aurait été plus grande que n'importe quelle créature vivante rencontrée sur la planète. D'accord. Donc ça, c'est juste sa tête. Si c'est comme le Léviathan, c'était au moins 10 fois ça. Oh, là-haut, il y a quelque chose. Quelle lourdeur. Oh, j'ai pas pris de tablette. Oh non. Il va falloir revenir ici avec des tablettes. En fait, non, il y a... Je sais pas si c'est largement... Ah mais commence par baiser ta mère aussi, putain. Cette expédition est une réussite. Une exclue. Même pas une exclue bouscapée là. Une bousca exclue. Oui, une entrée par là. Bon, on va pouvoir tout faire d'un coup là, je pense. Il manque ça. Putain, c'est vrai qu'on peut même plus avoir de lumière. Bah y'a rien là. Non, là y'a rien. Où je scanne les trucs que j'ai jamais scannés. Je dis tout le temps scan tout et je le fais pas. Merde, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là-bas? Non, non, non. Non, non, mais c'est une blague, sérieux là, sérieux! Il est où? Il était où cet enculé? Mais quel idiot! Il est où? Il y a même pas son logo! Oh, j'ai rien perdu, tranquille. J'avais même pas de ressources, j'avais du titane. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Oh! Ah, si, il est là. Oh! Putain, fils de pute de Gaspard. Autant j'ai fight le Léviathan, mais lui. Non, c'est du titane, putain. Argent haut, très bien. À tout moment, il y a un mec qui vient qui me pète la gueule là. Noobzord a mis 50 euros sur la table. Ton plus gros zombie dans ton micro en saturé. Zombie. J'ai fait des efforts là, j'ai failli réveiller toute la famille. C'est pas le plus gros. Je vais vous arracher les oreilles hein, si vous voulez un zombie plus gros, hein, je vous le dis. Zombie. J'ai déclenché 50 euros. Je sais pas si c'est la bonne voie, mais on est sur une voie. Oh putain. Oh son père, le malade mental. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça partait juste d'une expédition en freestyle, on cherchait juste la magnétite et au final on a trouvé. Quel jeu quand même, hein. Putain, ce jeu il est bien plus profond que ce que je pensais, hein. Je m'attendais pas à ce que ça aille si loin. Oh! Oh, y'a un truc. Reste d'un spécimen de recherche. Non, c'est risqué de rester en vrai. Il faut vraiment que je me barre et que j'aille boire de l'eau.
Oh putain. Oh, je reviens. Voilà, là on était arrivé. Je suis arrivé plutôt vite. On va scanner l'œuf. Œuf de dragon des mers. Unité téléportante de contrôle de quarantaine. C'est tout ? J'ai rien loupé en fait. Il se passe quoi là ? Mais il se passe que Was vient d'offrir 40 subs. Et du coup, il va y avoir des notifs pendant beaucoup. Non, mais non, pourquoi j'ai cliqué là ? Putain, pourquoi j'ai cliqué là ? J'ai vu un truc, j'ai cliqué direct. Est-ce que, comme vous l'avez dit, je peux mettre ça en plus ? Putain, je l'ai droppé par terre. Alors. Ah ouais, je peux, putain. Ah non, c'est pas ça. Bah, je peux quand même. Du coup, il y a plus de stockage. Ouais. Il y a que 600 plus, non ? Mais ça va maintenant, il peut aller à 1300 mètres, du coup. Salut à tous ! Moi, c'est Tarzan. Je viens voir. Pierre. Oh ! Putain. Écoute-moi bien. Eh, nique ta mère. Unité de confinement pour aliens ? Mais non ! Vous aussi ? Trouve un travail ! Générateur de bouclier du Cyclops, magnifique. Allez, termine tes morts, je te dis. Oh ouais, mais je suis une galère. J'ai loupé plein de trucs, je suis une galère. Oh yes. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que je peux mettre la tablette orange? Oh yes. Yes. Let's go. Un œuf qu'on prend. Donner de la reproduction de la faune. Si t'as loupé, là j'ai augmenté la profondeur. On a fait des expéditions, t'as jamais vu ça? Nouveau minerai, pas mal de choses. Oh, c'est énorme ça. Oh oui, ça marche. Hop là. Scanned. Ça, y a moyen de scanner, je pense. Mais frère, qu'est-ce que tu fais dans la... Ok, on peut avancer. J'ai l'impression qu'on est sur une bonne voie, là. Donc là, il y a un Léviathan, normalement. C'est bon. Tout va bien se passer. Oh, sa mère. Oh, sa mère, je vais où, là? Oh! Oh non, non, c'est pas le moment de me téléporter par contre. Oh, il y a The Bee! 1000 mètres! New World Record! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il faut que je vois ça. De toute façon, on a sauvegardé, j'ai pas fait trop de ressources. On est en full exploration. C'est pas grave s'il y a des problèmes. Oh! Oh, yes, ça! Tu m'as pas vu là. Tu m'as pas vu là quand même. Oh putain, oh putain. Il a l'air un peu tendu quand même. C'est pas grave hein, d'être nul. T'as dit quoi? Moi ma mère. Oh putain. Il a eu peur de moi, c'est sûr, ça se voit. Oh la salope, comme il a peur, c'est grave. Un gros gaillard de 27 kilos aurait peur de moi comme ça. Je vais te scanner de moi. Je vais mourir. Je l'ai eu ? Dragon des mers, Léviathan. BAM ! Scanned ! Mais même comment on va remonter, putain? Je vais devoir esquiver des Léviathans, là, ça va être hard. Faut tout faire pour qu'avec le peu d'eau que j'ai, j'évite les gigamobs et je rentre à la base. C'est bon? Ok, maintenant ce qu'il faut, avec les 8 énergies, c'est réussir à aller à Strong qui est à 1600 mètres. Eh, c'est faisable! En vrai, c'est... C'est faisable. 960, allez. Mais non, j'arrive à l'île. Comme par hasard, pour me casser les couilles! Oh non, mais putain, l'île qui nique tout, voilà. Je vais devoir passer par au-dessus. Super bon ce burger. <rire> 850 mètres. Oh non. Oh, vite, des poissons.
Mais viens là! Putain, vas-y. Alt F4. Juste parce que je loupe un poisson, hein. J'aurais jamais dû écouter les gens qui me disent cherche le bâtiment, tourne autour, alors que j'ai que dalle de ressources, putain. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir une moyenne de viewers aussi élevée sur Subnautica. Je vois que vous avez vraiment bien kiffé le stream. Belo Zero, je le taperai sûrement, mais quand j'aurai fini Subnautica, cet épisode, il est vraiment énorme. En fait, le premier épisode, il était, ouais, bof, le mec découvre le jeu. Le deuxième épisode, on commence à avancer. Troisième épisode, il y a première bagarre. Et là, quatrième épisode... Vraiment, vraiment c'est intense, c'est très intense. Prochain stream, ce qu'on fait en premier, bah c'est la centrale nucléaire. Je suis content que vous ayez kiffé. Je me suis mis dans le noir pour l'ambiance, mais je pense que ça change pas grand chose en vrai. Je vous dis bonne soirée, on se retrouve demain pour la suite. Objectif, faire un réacteur, objectif, aller se venger dans la lave et tout. Bonne nuit tout le monde.